Nasalaka 4 jours par semaine. Seraphine, who walks 60 kilometers every week going from village to village in the hills of southwestern DRC, is a vital part of coordinated health structures supported by a UN initiative that strives to reduce the high mortality rates of women and children and places special emphasis on maternal and newborn health. La sensibilisation a préparé ba courant ça quatre leçons. Parfois naissance désirable, parfois IST, infection à VIH sida. Na avortement. La mort maternelle et aussi infantile ne passera plus dans nos maisons. Les prestataires ont été formés sur le soin obstétrico et néonatal d'urgence. Il y a eu l'étape d'équipement de ces maternités et les journalistes ainsi que les membres de la communauté ont été également briefé sur les gestes qui sauvent. Avant, il y avait des cas qu'on ne savait pas récupérer. Mais actuellement, si c'est une hémorragie, nous sommes capables de lutter contre ces hémorragies-là. On arrête les hémorragies. Même si c'est une déchirure du col, nous pouvons s'y tirer. Il y a beaucoup de cas qui nous étaient référés en retard. La maternité latente anticipe certaines complications qui devraient survenir chez certaines femmes qui ont des antécédents ou des femmes qui devraient avoir des complications lors de leur accouchement. Un exemple, on a un cas d'une femme qui s'appelle Solange. Les deux premières grossesses ont évolué sans problème jusqu'à l'accouchement. Mais les deux derniers ont connu des problèmes. Donc son mari et elle ont jugé bon d'être référées à temps ici. J'ai eu les problèmes de dystocie dynamique. Alors, on a voulu, avec mon mari, à ce qu'on puisse prendre cette décision de faire la ligature tubaire. J'ai perdu la première femme, j'ai dit, dans les problèmes d'accouchement. J'ai cherché à ce que je puisse au moins continuer à voir ma femme en vie et on puisse ensemble au moins prendre en charge les enfants qu'on a. In Sierra Leone, more than 3,000 kilometers away from the hills of southwestern DRC, the whole birth process is still widely regarded as a women's issue. Very few men have any idea what's involved. A man should not go to see his wife giving birth. Teenage pregnancy, women die giving birth, and all of these things are shrouded in tradition and secrecy. The pillars of our interventions, very rare situations have targeted men. But you cannot really get the positive or the intended outcomes for reproductive health if you leave the men outside. And until men come to the understanding of the reproductive health challenges that the wives go through and being there with them, you can never be able to get them on board. But now the men engagement thing is moving. Men are reaching out to men. And evidently we're having reduction in maternal mortality. Anyone who are born, I go feel for say I don't stop there now. Go ahead and carry me, go to hospital, I born, then see me paper now. Then ask me now, I talk, then know the picking, then now I don't born. I didn't tell me man now, last stop, I not go able to born again, who don't slack. Man not tell you for say do one, we not be afraid for do one.